Nous sommes avec Catherine et Anouk du duo Miroir qui nous présente un spectacle vendredi et le samedi pour Animation Baie-Saint-Paul de voltige avec un cerceau aérien, même je devrais dire. Est-ce que vous pouvez parler un peu de la discipline du cerceau aérien? Oui, en fait, dans notre spectacle, on fait différentes disciplines. On a le cerceau aérien, on a le tissu aérien et d'autres disciplines qu'on fait comme le trapèze, trapèze danse, duo de main à main. Puis, pour le duo Miroir, pour Baie-Saint-Paul, on va présenter un spectacle d'environ 45 minutes qui mélange danse, musique, chorégraphie, cerceau, duo de cerceau, tissu et un petit conte qu'on va faire aussi. Donc, c'est pas mal ça qu'aujourd'hui on présente pour Baie-Saint-Paul. Puis pour présenter ce spectacle, j'imagine que vous avez commencé quelque part, vous avez dû aller à l'école de cirque, j'imagine les deux aussi. Oui, bien, il y a différents parcours que les gens, ça dépend pour chacun. Moi, j'ai fait l'école de cirque, j'ai fait un background en gymnastique et en danse. Okay. Puis ensuite, je suis allée à l'École nationale de cirque de Montréal. Puis ensuite, j'ai tout de suite commencé à travailler à l'international, à faire plein de spectacles un peu partout. Moi, je suis allée dans une école de trapèze. Puis ensuite, j'ai appris les autres disciplines de façon autodidacte ou avec des coachs indépendants, là, par-ci, par-là. Puis pour avoir créé votre duo, c'est où vous êtes rencontrés? En fait, on s'entraînait les deux à la caserne du 30, c'est à Montréal, c'est un studio de cercle d'entraînement. Puis on s'est côtoyés pendant comme vraiment longtemps. Puis Catherine a fait du trapèze depuis longtemps, du cerceau depuis plus longtemps que moi. Puis c'est ça, on se côtoyait. Puis un jour, c'est pour le festival de jazz. On était contactés pour faire un duo. Puis là, on s'est dit, OK, chouette, on pourrait monter un spectacle ensemble. Puis on a commencé ça, on a commencé à monter la création du spectacle. Puis là, on l'a joué au jazz, on l'a joué dans divers événements. Fait que c'est ça. C'est comme ça que ça a commencé, en se côtoyant à la caserne, qui est un studio de cirque vraiment très « friendly », comme on dit, très agréable, chaleureux, social, communautaire. Fait que... Puis je sais que c'est un nouveau spectacle que vous présentez ici à Animation Baie-Saint-Paul, le duo Miroir, mais j'imagine que vous avez aussi d'autres spectacles que vous avez présentés dans le cadre international ou aussi à Montréal, dans des grands festivals comme le Jazz de Montréal. C'est quand même un très grand festival pour le cirque, tout de même. Oui, c'est assez... Bien, c'est ça, en fait, en solo ou en duo? Tu peux parler de vos projets différents aussi. Bien, Catherine a fait des spectacles pour enfants aussi. Oui, moi, je travaille beaucoup dans pour des spectacles familiaux. J'ai fait beaucoup de parcs cet été. Cet automne, ça va être les écoles, évidemment. Où je fais du cirque, je fais du machinois, puis je raconte une histoire, mais sans parole. Je fais aussi un peu de conte que j'ai intégré dans le spectacle d'aujourd'hui. Ouais. Pour Anouk? Bien, c'est ça. Fait que j'ai le projet avec Catherine qui s'appelle Duo Miroir. J'ai un autre projet qui s'appelle La fenêtre aérienne, qui est un gros trapèze à quatre filles. On est quatre dedans. Okay. Un quatuor qu'on va jouer la semaine prochaine à la TOHU, la Cité des arts du cirque à Montréal. Puis on a déjà joué à Cuba, à Las Vegas. On a fait différents contrats. Fait que j'ai ce projet-là. Puis j'ai un autre projet de collectif qu'on est en train de finir notre spectacle. Fait que j'ai différents projets comme ça. Puis c'est ça. Bien, on vous souhaite vraiment du succès. Puis pour la prestation d'aujourd'hui, pour vos carrières individuelles et en duo, je pense que vous êtes vraiment sur une belle lancée pour votre carrière. Oui, puis on est surtout bien contente de venir à Baie-Saint-Paul parce que c'est différent. Puis là, en plus, super bel endroit, près du public, les marches vraiment devant nous, proximité du public, c'est vraiment intéressant. Au niveau du contact avec le public, moi, j'aime beaucoup ça. Tu sais, des fois, on est dans des gros stades, fait que c'est un peu plus impersonnel. Mais là, vraiment, d'avoir les gens d'ici, juste devant nous, c'est vraiment super touchant d'avoir cette opportunité-là. Je pense que ça va pouvoir toucher beaucoup de gens aussi avec votre spectacle. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là, puis bonne chance pour votre spectacle. Merci.